Bonsoir, monsieur. Très heureux de vous retrouver ce soir, une fois de plus, dans le cadre de notre émission Point de vue, qui reçoit aujourd'hui Lambert Mende Omalanga, figure bien connue, plusieurs fois membre du gouvernement dans ce pays et actuellement député national. Et il est membre de la commission des relations extérieures au sein de cette même assemblée avec lui. Sur la table aujourd'hui, le tour d'horizon sur toute l'actualité sociopolitique, très fournie d'ailleurs, telle qu'elle se passe dans notre pays. Merci, honorable Mende, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, la première question, la question introductive que je m'en vais vous destiner, c'est l'occupation de Bounagana, la cité de Bounagana. Eh bien, cette occupation est devenue une obsession, si vous voulez, une préoccupation, 4 mois déjà, pour tous les Congolais qui n'attendent que sa libération. Qu'est-ce qui se serait passé aujourd'hui? Est-ce l'attentisme ou la peur d'attaquer? Pour autant que je puisse croire les rapports que nous recevons à l'Assemblée nationale, je peux dire que les forces armées de la République démocratique du Congo se comportent très bien sur la ligne de front. Vous savez, une guerre, elle se mène tantôt par la diplomatie, tantôt sur les terrains des affrontements physiques. Et à ce que je sache, la communauté des États d'Afrique de l'Est avait pris des initiatives il y a quelques semaines, oui, qui laissaient entrevoir une fenêtre d'opportunité qui pouvait nous laisser espérer que de manière plus ou moins non forte, les troupes d'occupation, puis c'est comme ça que nous les appelons, beaucoup de gens parlent du M23, moi, aussi bien que mes collègues de la commission des relations extérieures, nous parlons des forces d'occupation, c'est Rwanda Defense Force qui utilise le M23 comme une sorte de proxy force, pourrait se retirer. Il n'en a rien été, au contraire, nos forces de défense et de sécurité ont été attaquées sur leur position de départ. Depuis qu'elles ont été attaquées, 4-5 jours de cela, elles ont répondu au feu et jusque ce matin, les nouvelles qui nous parviennent du front se révèlent plutôt rassurantes, puisque non seulement nos forces ont pu fixer l'ennemi, mais elles grignotent le terrain. Vous savez que ce n'est pas une génération spontanée, une guerre. On grignote le terrain, il ne s'agit pas du tout venant. Ce n'est pas le M23 qui se bat contre les FRDC, c'est le Rwanda Defense Force. Et derrière le Rwanda, il y a toute cette coalition de personnes qui utilisent ce pays voisin comme moyen d'avoir accès à nos ressources sur lesquelles s'exerce une très forte convoitise et qui donne beaucoup de moyens logistiques à cette armée rwandaise pour tenir la dragée haute au FRDC. Alors, à propos de cette reprise des hostilités, vous avez dit il y a quelques 4-5 jours, Kigali ne voit pas les choses de la même façon. Par contre, le Kagame pointe du doigt les FRDC d'être à la base de cette reprise de la violence. C'est une sauce que Kigali continuera toujours à nous servir. Personnellement, j'ai été associé aux efforts du gouvernement congolais pour le rapatriement des éléments des FDLR, c'est-à-dire ces fameux rebelles hutu-rwandais qui servent de prétexte à l'armée rwandaise pour justifier les différentes promenades disciplinaires qu'elle entreprend de temps en temps en République démocratique du Congo, dans une sorte de mise en œuvre
de ces visées expansionnistes et hégémonistes dont nous savons qu'elles sont plutôt triviales. Ça n'a rien de sécuritaire. On veut mettre la main sur des ressources minières parce qu'on trouve que le Congo est trop riche et qu'on peut venir se servir sur la bête presque sans contrepartie. Et donc, nous avions déjà à l'époque du président Joseph Kabila initié avec le Rwanda une opération conjointe de FRDC avec l'armée rwandaise. Oui. Beaucoup d'éléments FDLR ont été rapatriés. Moi-même, je me suis retrouvé à Kanyabayonga pour conférer avec les responsables de FDLR qui rentraient chez eux. Mais nombreux sont restés sur le terrain. Mais beaucoup sont partis. Oui. Et bizarrement, on les retrouve de nouveau comme s'ils ont été recyclés au Rwanda et remis en œuvre pour rentrer au Congo. D'accord, mais il se serait passé quoi dans ces mouvements-là? Mais il est évident qu'il y a des officines au Rwanda qui trouvent leur compte dans cette déstabilisation de l'Est du Congo et qui n'ont absolument rien à gagner à ce que l'Est du Congo soit pacifié. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de recycler ces groupes et de les remettre en République démocratique du Congo pour se donner la justification idéale auprès de l'opinion internationale. D'accord, mais Human Rights Watch voit les choses de la même façon que Kigali. Hein, et cette ONG estime que les FRDC utilisent comme supplétif les éléments des FDLR. Encore faut-il savoir si l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch n'est pas de mèche avec les milieux dont j'ai parlé ici, les fameux end users, des minerais congolais qui soutiennent les officines plus ou moins occultes qui sont à l'œuvre, aussi bien à Kigali qu'à Kampala, et qui ne trouvent aucun compte à ce que la région soit pacifiée. Oui, Parce que il y a quand même des ordres, ces rapports de Human Rights Watch ne sont pas corroborés par des rapports tout à fait officiels des structures que les Nations Unies déploient sur terrain, notamment les experts des Nations Unies, oui, qui ont une toute autre approche. Encore que ces rapports-là n'est jamais sur la table de discussion au niveau de l'ONU. Notre diplomatie doit absolument se déployer pour obtenir que ce rapport qui a été élaboré par les experts des Nations Unies soit mis sur la table, discuté et que des résolutions puisse s'en suivre. Mais le chef de l'État avait demandé ça lors de la dernière Assemblée générale. Il avait demandé au président d'exercice, au Conseil de sécurité, pour que ces rapports soient distribués à tous les membres. Chose qui n'a jamais été faite. Il faut continuer à marteler cette demande et je n'ai aucun doute que si notre diplomatie se déploie de manière intensive comme elle le fait maintenant, la plupart d'autres pays africains, parce qu'il n'y a pas que des pillards autour de nous. Il y a des gens qui de raison, il y a des gens doués de raison qui sont autour de nous, qui observent cette situation avec une certaine préoccupation, jusqu'à amener les responsables de l'administration onusienne, aussi bien que ceux du Conseil de sécurité, à mettre effectivement sur la table ce rapport qui leur est destiné et à en tirer les conclusions qui s'impose. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression avec moi que la RDC, dans ces situations, paraît combattre seule contre tous? Puisque nous avons l'impression que derrière notre pays, il n'y a aucune force en fait capable ou disposée à pouvoir intervenir pour mettre fin à cette agression. Nous devons vivre avec l'idée que nous sommes un pays, nous sommes une unité, nous avons des ressources qui provoquent des convoitises un peu partout et qui, lorsqu'elles seront totalement à notre disposition, ne profiteront pas à ceux qui les pillent. Et que ceux qui ont aujourd'hui la possibilité de pouvoir participer à ce carnage, à ce pillage systématique, se mobilisent avec beaucoup d'énergie
et que peut-être ceux qui ne sont là que comme des observateurs, peut-être de bonne foi, n'ont pas nécessairement le dynamisme nécessaire pour sortir de leur train-train quotidien et venir à notre rescousse, il nous appartient de les secouer, mais la première ligne de défense, c'est la nôtre. C'est nous-mêmes qui devons nous mobiliser, parce que c'est nous qui faisons l'objet de cette animosité. C'est nous la cible principale et il nous appartient de nous défendre sans nécessairement attendre qu'une coalition se forme par je ne sais quel miracle de la charité internationale aux côtés de la République démocratique du Congo. Oui, mais on voit les Français, par exemple, au Sahel, intervenir pour chasser toutes les forces obscures. Mais pourquoi chez nous? Pourquoi deux poids, deux mesures? Je ne sais pas si le point de vue des populations du Sahel est celui que vous définissez. Aujourd'hui, nos amis français sont bien en difficulté de justifier leur présence dans ces pays sahéliens où des forces populaires sont mobilisées dans la plupart des cas pour les bouter hors de ces différents pays. Ce n'est pas toujours facile. Encore que notre pays est dans une situation relativement différente de celle dans laquelle se trouvent les pays du Sahel, compte tenu notamment de l'importance de ces ressources sur lesquelles nous sommes assis et qui fait que le nombre de ceux qui convoitent ces richesses est proportionnellement plus élevé que partout ailleurs. Alors, mais pour vous, M. Mendy, le M23 doit se retirer ou il faut le chasser? Le M23 n'a pas à exister. D'abord, c'est une réalité pour moi qui n'est pas, si je peux m'exprimer par une tautologie, réelle. Le M23, c'est une fiction. C'est une fiction créée par le Congo Desk. C'est un bureau qui existe dans les services de sécurité rwandais à Kigali et qui invente comme ça des fictions. Aujourd'hui, c'est le M23, hier, ça a été le CNDP, etc. Et donc, c'est une fiction qu'on invente à Kigali, et je peux mettre ma main à couper qu'au sein du M23 se trouvent beaucoup de combattants réguliers de l'armée rwandaise et qui sont présentés comme des M23, puisque morphologiquement, vous ne pouvez pas distinguer un Rwandais d'un Congolais de l'Est. C'est très difficile. Mais ils ne sont pas disposés à se retirer volontairement. Alors, il faut absolument les pousser par la force à se retirer. Mais par contre, ils chercheraient à gagner encore d'autres positions. Il faut les en empêcher. Dans les Rutshuru. Nous devons les en empêcher. Alors, qu'est-ce que vous dites à propos de ceux qui estiment qu'il faut aller à la table des négociations avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, par exemple? La négociation est indispensable avec les pays voisins qui se laissent aller à rêver de cette hégémonie qui est tout à fait contraire aux principes du droit international. Il faut absolument parler avec les voisins parce que l'adresse du voisin, ce n'est pas nous qui l'avons choisie. La place du voisin sur la map monde, ce n'est pas nous qui l'avons établie. Nous nous sommes retrouvés voisins du Rwanda. Nous avons 9 voisins, le président de la République l'a rappelé il n'y a pas longtemps. C'est avec seulement le Rwanda et peut-être un peu avec l'Ouganda que se pose ce problème. Et comme le Rwanda ne changera pas d'adresse, et comme l'Ouganda ne changera pas d'adresse non plus, il est important que pendant que nous résistons à ces manœuvres hégémonistes, annexionnistes, que nous puissions ne pas fermer la porte à la négociation. Mais l'Ouganda qui est déjà avec nous est au front. Oui, mais l'Ouganda est un peu moins engagé que le Rwanda. Ça, j'en sais quelque chose. L'Ouganda est un peu moins engagé que le Rwanda. C'est peut-être aussi dû à la diplomatie qui se déploie vis-à-vis de ce pays. Et alors, avec le M23, ce qu'on présente comme M23 tel que vous le dites, il faut se mettre autour d'une table? Je ne pense pas que sans que le M23 ait déposé les armes, nous puissions nous
montré disposé à discuter avec quelqu'un qui, se disant congolais, porte les armes contre la République démocratique du Congo. Cela serait contraire à tous les principes constitutionnels que nous connaissons, que nous nous sommes donnés à nous-mêmes. Il faut qu'il dépose les armes avant de pouvoir être jugé admissible à une quelconque table de négociation avec le gouvernement. Oui, mais il pose comme condition d'abord le pourparler avant de déposer les armes. C'est une condition impossible à accepter pour le gouvernement congolais, d'après notre vision. Alors, il y a les forces des États de l'Afrique de l'Est qui avaient été promises, qui avaient même commencé à se déployer, mais aujourd'hui, on a l'impression que les amis sont en train de traîner les pas. Oscar, ce n'est pas une génération spontanée. Une décision a été prise au niveau de l'East African Community. Ils sont en train de se déployer. D'abord, c'est des officiers qui viennent, puis du matériel qui fait le va-et-vient, etc. Je ne pense pas que nous en sommes déjà au deadline. Mais ce sont des hésitations, tout ça. Ils viennent, puis ils s'en vont, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais le deadline n'est pas encore là. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Vous savez que l'une des principales entités étatiques contributrices de ces forces, c'est le Kenya. Et le Kenya vient de sortir d'une élection dont vous avez suivi vous-même les péripéties. Un nouveau gouvernement vient d'arriver avec le président William Ruto. Je ne sais même pas s'il a déjà mis en place l'ensemble de son gouvernement. Donnons le temps au temps que ce nouveau gouvernement se mette en place. Il a eu le temps déjà de désigner son prédécesseur comme responsable de ces contacts que nous devons avoir avec lui et l'East African Community, et donc les choses se feront en temps utile. Mais les autres pays devraient faire diligence en traitant sur le terrain. Je pense qu'en ce qui concerne le Burundi, quelque chose est en train d'être fait, à ma connaissance. Si je dois en croire les rapports que nous recevons à la Commission des relations extérieures du Parlement. Alors, on a l'impression que la RDC n'est pas... n'agit pas vraiment assez. Mais la diplomatie a ceci de particulier, qu'elle ne peut pas être agressive, puisque la diplomatie vise à quoi? La diplomatie vise à persuader, convaincre, amener quelqu'un à comprendre votre position. Oui, mais alors si vous y allez par la force, est-ce que nous l'avons... je ne pense pas que ça puisse marcher. Est-ce que nous l'avons fait jusque-là? Je pense qu'on le fait. Je pense qu'on le fait et qu'on doit continuer à le faire. Mais on a l'impression que les partenaires ne sont pas encore convaincus. Je comprends cette impatience de la part des populations congolaises que nous partageons également. Souvent, nous avons tendance, même au Parlement, à taper sur la table devant les responsables de notre diplomatie. Mais comme je vous le dis, la diplomatie est une affaire de persuasion. Il faut le temps que la justesse de votre raisonnement puisse pénétrer votre interlocuteur et qu'il puisse venir à vous au niveau de la compréhension du problème. Oui, puisque sur le terrain, il faut le dire, il y a surtout du côté humanitaire, nos compatriotes, des centaines, des milliers de Congolais qui sont dans le désarroi, sans prise en charge. Il y a les enfants qui ne vont pas à l'école, les cultivateurs ne vont pas au champ et tout ça. Et je crois qu'il y a lieu... il y a lieu que les choses aillent quand même beaucoup plus rapidement. Et c'est là, à mon avis, c'est cela que devrait agir notre diplomatie pour convaincre ses partenaires à faire rapidement et libérer le pays. Je pense plutôt que dans l'attente de cette conviction qui pourrait être partagée entre nous et les partenaires auxquels nous nous adressons, et le moment M où nous nous trouvons aujourd'hui, il y a des devoirs que seul le gouvernement congolais, seules les institutions publiques congolaises, j'allais dire, doivent entreprendre. Cette solidarité vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs
qui sont en train de ployer sous le joug de cet expansionnisme des envahisseurs du Rwanda avec les forces qu'ils ont créées par fiction pour essayer de mettre la main sur nos richesses. Il faut imaginer des formules qui permettent à nos frères et à nos sœurs de pouvoir vivre pas aussi décemment qu'ils le faisaient avant cette guerre, mais le plus décemment possible. Un pont aérien peut être organisé dans ce pays dépourvu de route. Il faut imaginer, par exemple, un pont aérien, des choses comme ça peuvent être réalisées. Et la population congolaise, vous la voyez derrière son armée? Jusqu'à présent, je sens que la population congolaise soutient son armée, surtout que le président de la République, qui en est le commandant suprême, a entrepris de la réformer. Hein, il a appelé maintenant au commandement de nouvelles figures, des gens qui ont fait leurs armes pratiquement dans le front, parce que ce front ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 20-25 ans que nous sommes l'objet de ces agressions, et la jeune génération qui arrive maintenant à la tête des forces armées s'est forgée justement dans ces combats asymétriques, on va dire. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons un peu plus de chances de faire entendre raison à ces envahisseurs. Quand bien même il y a certaines complicités de temps en temps qui sont soupçonnées dans les milieux des Congolais. Il faut que la justice puisse passer par là. C'est pour cela qu'existe ce qu'on appelle la justice militaire. Elle est plus sévère que la justice civile. Sinon, on aurait pu laisser les parquets civils et les juridictions civiles s'occuper des militaires qui trahissent. Mais vous savez que la justice militaire a la main plus lourde, parce qu'on pardonne moins à un militaire qui trahit qu'à un civil qui a fauté. Donc là, je pense qu'il faut faire confiance à la justice militaire. Alors, d'un point chaud à un autre, aujourd'hui, nous allons quitter momentanément l'Est pour atterrir dans le Bandundu et plus précisément dans ce qu'on appelle aujourd'hui conflit Teke-Yaka, dans le district, donc dans le secteur de Kwamout. Alors aujourd'hui, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Qui combat qui dans cette zone? C'est un conflit intercommunautaire, d'après ce que nous savons, ce qui nous a été rapporté au Parlement. C'est un conflit intercommunautaire né de disputes foncières, le contrôle de la terre. Il y a des gens qui estiment que certains de leurs compatriotes qui sont venus soit cultiver, soit faire de l'élevage sur leur terre, devraient payer une sorte de redevance coutumière. Je ne sais pas comment cela s'organise, n'étant pas du coin. Et puis il y a une résistance à acquitter cette redevance-là. Cela a commencé par des petites escarmouches de cette nature-là, peut-être qui n'ont pas été suffisamment prises au sérieux par l'administration territoriale, et d'évolution en évolution, on en est arrivé à des véritables batailles rangées que le gouvernement doit absolument prendre en considération. Dieu merci, cela a été fait. Les forces armées ont été déployées à Kwamout et on nous apprend que des groupes de tous les deux côtés ont pu être mis hors d'état de nuire et que certains de ces malfrats qui profitent de ces situations-là pour soit assassiner, soit brûler, soit détruire des propriétés sont aux arrêts et ont été présentés au moment même où nous parlons devant les juridictions compétentes. Il n'y a pas de main noire. Il n'y a pas de main noire derrière tous ces groupes. Bon, on peut considérer qu'il y a toujours quelqu'un qui tire la ficelle, mais dans la mesure où le problème dans son pristine état est connu, c'est un conflit entre deux communautés qui peut être utilisé par certaines personnes. Je ne pense pas qu'il faut s'attarder à parler de main noire. Il faut rentrer dans les contacts qui doivent être organisés
par l'État entre les deux communautés et faire en sorte qu'elles trouvent un modus vivendi, parce que les Teke ne pourront jamais chasser les Yaka du Congo et les Yaka ne pourront jamais chasser les Teke du Congo, et selon la Constitution, tout Congolais est chez lui en République démocratique du Congo. Il faut leur faire intégrer cela et c'est la tâche du gouvernement. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas craindre l'élargissement de ce conflit? Vous avez suivi avec nous le cardinal qui dit, qui a estimé ou qui a relevé qu'il y a certaines tribus de part et d'autre des deux groupes. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que ce conflit puisse en fait s'élargir dans d'autres provinces par exemple? Il y a dans cette région de Kwamout qui est d'abord le Kwamout, c'est la bouche du quoi, hein, ça vient de l'anglais, Kwamouth, c'est la bouche du quoi, c'est l'embouchure, hein, du quoi sur le fleuve. Et donc il y a beaucoup de populations, même de chez moi, même du Kassai, il y a des gens qui viennent pour leurs activités agricoles, commerciales, etc. Le cardinal a même cité des Batetela, des gens de chez moi, et tout ça. Et donc, il faut apprendre aux gens à vivre en bonne intelligence. Où qu'ils soient, ils sont Congolais au Congo. Il est important qu'on prenne conscience de cela. Mais il faut apprendre même à ceux qui viennent s'installer dans des régions où ils ne sont pas nés, comment travailler en bonne intelligence avec ceux qu'ils trouvent sur place. Là est tout le problème. Mais on ne pourra jamais arriver à un moment où des gens se retrouvent simplement entre eux, hein, une communauté ethnique qui vivrait seule, renfermée sur elle-même, qui ne commercerait pas avec une autre communauté ethnique, ça ce serait impossible. Et c'est l'administration territoriale qui a la charge de pouvoir maintenir cette cohésion entre les différentes composantes du peuple où qu'il se trouve. Oui, mais ça semble prendre de l'ampleur, puisqu'on a vu Yombi il y a quelques années, c'est à peu près de la même façon. On a vu au Katanga, les Katangais, les originaires, ainsi que les Kassaïens. On avait parlé dans une certaine mesure des Signilés, je crois, dans l'Équateur. Et aujourd'hui, nous avons dans la province orientale, dans l'Ituri, ce qui se passe actuellement là. C'est également une histoire, en fait, principalement entre deux groupes ethniques. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que de telles situations ne puissent embraser tous les pays, finalement? L'État ne peut pas vivre dans une situation de crainte. L'État doit assumer ses fonctions régaliennes, parmi lesquelles il y a la justice, qui doit être rendue. Vous avez parlé des situations qu'on a observées ici et là. Si, dans la situation de Yumbi, la justice était passée avec suffisamment de rapidité, si on était intervenu pour identifier les auteurs, aussi bien directs qu'indirects, de ce carnage qu'on a eu à Yumbi, on peut espérer, on pouvait espérer que cela aurait agi comme une sorte de provoquer un facteur d'inhibition chez ceux qui aujourd'hui ont tendance à prendre qui une machette, qui une arme à feu contre leurs frères. Et maintenant, dans la situation qu'on observe à Kwamout, il faut aussi que les technostructures judiciaires se mettent en branle, qu'elles soient civiles ou militaires, pour réprimer avec le plus de diligence possible les auteurs de ces actes répréhensibles que l'on observe à Kwamout et dans les endroits que vous avez cités. Alors, dans ces climats, nous allons parler élections. Est-ce qu'on ne connaîtra pas de perturbations dans tout ça? Les élections, avec des points chauds par-ci, par-là. Les élections ont toujours eu lieu dans ce pays au cours de ces dernières années pendant qu'il y avait des points chauds. Moi, je suis parmi ceux qui sont convaincus que nous aurons des élections dans les délais constitutionnels. Et pour vous dire, en ce qui me concerne, moi personnellement, comme acteur politique... Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je constate la manière dont la centrale électorale fonctionne. Elle a
tirant les conséquences des problèmes connus que ses prédécesseurs, les animateurs précédents des administrations électorales avaient observés, je constate un peu plus de professionnalisme au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Et c'est tellement vrai que je suis en train, moi, qui ai eu la charge au niveau du Parlement d'un groupe informel, un caucus parlementaire, je vais annoncer probablement demain ou ce soir que je me décharge de mes fonctions de responsable du caucus de notre Parlement pour me consacrer à la préparation des élections, puisque pour moi, c'est déjà la phase qui vient maintenant. Mais je alors, veux plus perdre du temps à régler les problèmes simplement parlementaires ici. Il faut que nous allions maintenant dans nos bases respectives pour préparer la population à ces échéances importantes qui arrivent. Nos partenaires du PNUD ne voient pas les choses de la même façon que vous. C'est-à-dire? Ils ont dit, vu la situation politique et même économique et l'avancement des préparatifs au niveau du PNUD, rien n'est encore prêt et qu'on risquait d'aller au glissement. Ce n'est pas le PNUD qui a la charge d'organiser les élections. C'est la Commission électorale nationale indépendante qui peut requérir ou pas le soutien du PNUD. Et donc il ne faut pas qu'on inverse les fonctions. Le PNUD n'est là que pour accompagner la centrale électorale et non le contraire. C'est une observation qu'ils ont faite. Absolument. Et donc la centrale électorale, on a vu les élections être organisées ici sans le moindre accompagnement extérieur. 2018, nous n'avons pas reçu d'aide du PNUD du tout. Cela n'a pas empêché les élections de se tenir. Et donc, si le PNUD n'est pas prêt, la République démocratique du Congo peut, est capable de trouver des moyens, puisque vous suivez vous-même maintenant l'embellie que l'on observe dans la collecte des ressources financières de l'État. Il n'est pas impossible que si le PNUD estime qu'il n'est pas capable de soutenir cette opération, que le gouvernement trouve ailleurs des moyens pour respecter ce calendrier que la Constitution lui impose. Oui, mais jusque-là, la CENI a besoin de quelques 900 millions pour organiser les élections. Jusque-là, le gouvernement n'a décaissé que pas même la moitié. Pas la moitié. Presque la moitié déjà. Oui, presque la moitié. Nous sommes en année préélectorale. Mmh. Nous ne sommes pas encore en année électorale. Oui, l'année électorale, c'est l'année prochaine. Mais c'est dans deux mois. C'est dans deux mois. Oui, mais c'est déjà dans deux mois, nous entamons l'année électorale et les élections n'auront lieu en 2023 qu'à la fin de l'année. Donc, on a le temps. Je pense que ça va venir. Ça va venir alors si, je ne suis pas fataliste, si par-ci par-là il y a des choses qui empêchent la tenue des élections dans le temps constitutionnel, là c'est le glissement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vous donnerai la réponse que j'avais l'habitude de donner lorsque je parlais au nom du gouvernement. Il ne m'appartient pas de faire le devin. Lorsque la commission électorale nationale viendra nous dire au Parlement qu'elle n'est pas en mesure d'organiser les élections dans les temps requis, il sera temps d'aviser. Mais je ne peux pas sans que la Commission nous le dise. Et alors que la Commission nous dit tous les jours qu'elle pourra organiser les élections dans les délais constitutionnels, commencer à projeter ces perspectives pessimistes. Je ne peux pas le faire. Et alors, la CCI, votre parti, comment elle se prépare? C'est pourquoi je vous dis que moi, le leader de la CCU, je vais rendre le tablier dans cette structure informelle qu'est le caucus des députés du Sankourou pour m'occuper essentiellement de préparatifs électoraux parce que je ne voudrais pas prendre le train en retard. Ça veut dire quoi exactement? Je vais me déployer à travers la République pour mettre en place les structures qui vont accompagner nos candidats lorsque le moment sera venu. Vous-même, vous serez candidat? Naturellement, aux élections législatives, évidemment, puisque je soutiendrai Félix Tshisekedi à la présidentielle. Pourquoi Félix Tshisekedi? Parce que je suis membre de l'Union sacrée qu'il a créée avec mon parti, la Convention des Congolais Unis. Voilà, alors,
Il y a eu la dernière mise en place au sein de l'armée. Je crois nous allons essayer de... Il reste encore 5 minutes. Est-ce que ces changements au sein de l'armée est de nature en fait à favoriser l'évolution, une évolution positive en ce qui concerne les fronts en ébullition actuellement? Je vous ai dit tout à l'heure que la génération que le président Tshisekedi vient d'appeler à la tête de l'armée est une génération qui est née dans des situations de front. Elle est née au front. Ce sont des jeunes qui ont baroudé dans différents fronts à travers la République parce que notre pays n'a pas cessé au cours des 2 dernières décennies de faire les frais de ces agressions qui viennent de l'Est. Et la plupart de ces jeunes qui sont aujourd'hui montés au niveau du commandement supérieur de l'armée autour du président sont des jeunes qui ont fait, après avoir fait leur classe bien sûr, ils ont fait leurs premières armes au front. Et donc ça, ça nous donne un peu plus d'espoir sur leur capacité à faire face à ce danger auquel ils ont pris l'habitude de se colléter. Alors Félix Tshisekedi est aujourd'hui qui accepte la facilitation, à la demande de ses pairs bien entendu, de la CIAC, la facilitation dans les conflits tchadiens, alors que chez lui ça brûle, évidemment, c'est des choses qu'on a entendues, qu'on a lues dans les réseaux sociaux. Naturellement, j'ai aussi entendu cela avec beaucoup d'étonnement, dans la mesure où le président Félix Tshisekedi n'a pas été appelé à être le facilitateur dans le conflit tchadien parce qu'il est Félix Tshisekedi ou parce qu'il n'y a pas de problème chez lui. Il a été appelé escalité parce que Félix Tshisekedi est aujourd'hui le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique, communauté économique des États de l'Afrique centrale, et que le Tchad, comme la République démocratique du Congo, appartiennent à cette CEAC. Et dans les principes qui guident la CEAC, de telles facilitations sont confiées à la personne qui a la charge de diriger pendant cette période où il y a un problème, une organisation régionale ou sous-régionale. Quoi de plus naturel que l'on fasse appel à celui qui préside la CEAC pour s'occuper d'une facilitation au sein d'un pays membre de la CEAC. Il peut s'en sortir? Je pense qu'il peut s'en sortir. D'abord, c'est quelqu'un qui vient de passer plus de 3 ans au pouvoir, qui a montré ses capacités à parler avec différentes personnes ou différentes institutions, différentes entités étatiques, même celles qui sont en conflit ouvert avec notre pays. Sur les 9 États que nous avons autour de nous, il n'y en a que 2 avec lesquels il y a un peu de problème. Partout ailleurs, il a réussi à créer une situation qui nous semble assez apaisée autour de nous. Et donc, c'est une expérience qui peut compter. Oui, ça peut compter, mais quand sur le plan au Tchad, on entend déjà des positions tout à fait négatives, opposées à cette médiation. Vous savez que on aurait fait venir Jésus-Christ pour faire la médiation. Il y aurait eu toujours au Tchad quelqu'un qui aurait dit qu'il n'est pas d'accord. Il faut juger une personnalité à l'œuvre. Il ne faut pas préjuger les capacités d'un chef d'État lorsque ses collègues l'appellent à réaliser un travail quelconque. Félix Tshisekedi est un chef d'État. Aujourd'hui, il assume la direction de la CEAC. La CEAC lui a confié cette facilitation. Il est en train de la commencer. On ne va pas quand même déjà préjuger de son échec. Attendons qu'il puisse s'y prendre et nous verrons au résultat. Ce n'est qu'au résultat qu'on peut juger quelqu'un. Alors, on termine par le budget. Bientôt, vous allez au niveau de l'Assemblée nationale passer au débat de ce document qui vous est déjà proposé. Dès demain. Dès demain déjà, merci. Alors, est-ce que la population va y trouver son compte? Puisque le président de la République,
même à l'Union sacrée, vous nous dites, le peuple d'abord. Je suis d'avis que oui, dans la mesure où il y a certes beaucoup de choses à faire pour la population et peu de moyens à mettre à disposition. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut reconnaître, c'est que pour la première fois depuis plusieurs années, il y a eu une embellie dans la capacité de l'État à collecter les recettes publiques. Auparavant, nous en étions à entre 5 et 8% du PIB qui constituait le budget de l'État, alors qu'un État normal, normalement constitué, cela doit nager entre 20 et 25%. Aujourd'hui, nous sommes à entre 13 ou 15% du PIB qui rentre dans la caisse de l'État. C'est-à-dire, ce n'est pas l'idéal, mais ce n'est plus la portion congrue, telle qu'on l'a connue auparavant. Il y a une embellie. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de moyens. Pas autant que la République a besoin, mais un peu plus qu'on en avait il y a quelques années pour affecter cela aux besoins prioritaires de la population, notamment l'éducation, notamment les infrastructures, l'agriculture, j'en passe, la défense, etc. Et vous allez prêcher pour votre chapelle, c'est-à-dire les Sankourou, qui doivent se trouver. Ben, il y a des Congolais au Sankourou, ils ont besoin de cultiver, ils ont besoin de circuler, il leur faut des routes, ils ont besoin d'écoles pour former leurs enfants. Donc ce n'est pas seulement le Sankourou, nous sommes une représentation nationale. Hein? Et donc il est important que nous puissions avoir toujours une vision globale de ces choses-là. Alors, Lambert Bende, on a terminé cette émission, peut-être en une minute, et un appel en ce qui concerne la paix, le retour de la paix dans notre pays. Ce que je voudrais demander à vos téléspectateurs et à mes compatriotes, c'est de prêter main forte au président de la République, à son gouvernement, à nos forces de défense et de sécurité, et aux technostructures judiciaires, pour arriver à créer dans cet espace qui est le nôtre et qui n'a pas de plan B, il n'y a pas de Congo B, il n'y a qu'un seul Congo, créer des conditions de vie acceptables pour l'ensemble de nos populations. Il faut faire en sorte que la paix, la convivialité puisse régner et que nous puissions nous occuper le plus efficacement possible de ces convoitises totalement inacceptables et injustifiées qui poussent un voisin comme le Rwanda à exercer ses visées expansionnistes hégémoniques sur notre pays. Voilà le message que je voudrais lancé à tous mes compatriotes. Voilà, message bien entendu. Mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.